On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale bras-épaules. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans belle et rebelle. Pour cet entraînement, je vous propose 30 secondes de travail suivi de 30 secondes de récupération pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Pensez à boire pendant vos séances de sport et tout au long de votre journée. C'est très important de s'hydrater. Un petit coucou à mes abonnés fidèles. Merci d'être avec moi aujourd'hui et merci du fond du cœur pour tous vos super messages que vous m'écrivez. Continuez surtout. Et si vous n'êtes pas encore avec nous, c'est super facile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite cloche. Elle vous informe de l'arrivée de chacune des vidéos. Un petit mot aussi sur la méthode AquaActive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds. L'avantage énorme de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo dans la description. Pensez de temps en temps aussi à faire un petit tour dans la playlist « Les conseils de Cécile ». Il y a des choses spécialement pour vous. Allez, je vous sens impatiente de faire chauffer les bras. On y va. Comme d'habitude, un petit peu d'assouplissement et surtout des grandes respirations pour vous oxygéner un maximum, bien ouvrir sa cage thoracique, faire bouger ses articulations et se mettre en condition pour démarrer la séance. Mettez les deux mains sur les épaules, faites des ronds vers l'avant, puis vers l'arrière. Allez, on engage ses deux bras, ils sont tendus et on fait des grands ronds vers l'avant. Et on change de sens vers l'arrière. On continue à bien s'échauffer. Un petit peu d'assouplissement juste avant de démarrer. Allez, c'est votre moment. C'est super que vous veniez faire cette séance avec moi. Quelques secondes, vous pouvez déjà prendre les poids dans les mains pour démarrer. Et go, c'est parti, les 30 premières secondes de cette séance. On a les bras qui sont bien tendus à l'horizontale et on tient la position. Utilisez votre respiration pour rentrer votre nombril au maximum à chaque fois que vous expirez. On est bien ancré sur ses jambes pour protéger son dos. Allez, ça chauffe déjà. Et 30 secondes de récupération. On souffle bien, on détend ses bras, on en aura bien besoin pour aller au bout de la séance et vous verrez, elle va vite passer. Si c'est trop difficile aujourd'hui, vous pouvez poser les poids en fin de séance, mais revenez régulièrement et vous allez voir que ça passera. Allez, on y va pour ce deuxième exercice. On ramène les mains au niveau des épaules et on pousse vers l'extérieur. Les mains sont toujours au niveau des épaules. Les bras sont assez hauts et on s'accroche, ça chauffe. Secondes de pause, respirez, récupérez au maximum, détendez vos bras. Et pendant 30 secondes, on fait un tirage. Les deux mains remontent sous le menton. Mettez du rythme, il n'est pas difficile cet exercice, mais pendant les 30 secondes, vous allez le sentir. Allez, ne creusez pas votre dos, continuez à respirer très régulièrement. Secondes de pause. Attention, le prochain exercice va faire chauffer les bras encore un peu.
Go, c'est parti. Les deux bras sont tendus devant vous à l'horizontale, le plus haut possible. Et vous tenez cette position. Ne bloquez pas votre respiration. On s'en sert pour serrer les abdominaux et maintenir son dos. Secondes de pause, c'est très très bien ce que vous faites. Allez, on s'accroche, ça passe vite. Je compte sur vous pour rester avec moi et pour passer la ligne d'arrivée ensemble. Allez, on y va, c'est un bon exercice. Il est dynamique, on va bien loin derrière avec ses mains et on monte le plus haut possible. Les deux bras sont alternés et c'est des grands mouvements. Toujours une petite attention sur la respiration afin de maintenir les abdominaux serrés pour protéger son dos. Et 30 secondes de pause, bravo à vous. Allez, accrochez-vous, on est bientôt au bout. Allez, go! On pousse les deux mains ensemble vers le ciel. On met du rythme. Essayez de faire un maximum de répétitions. Et c'est nos dernières 30 secondes de pause. Vous pouvez être fier de vous. C'est parti, c'est les dernières 30 secondes de travail. On fait des grands mouvements sur le côté, beaucoup d'amplitude. On tient ses abdominaux bien guidés. Allez, encore quelques secondes. Waouh, c'est génial, bravo à vous, je vous félicite, une très très belle séance que vous venez de faire. Pensez à me mettre un petit like si vous avez aimé cet entraînement et si vous voulez continuer à faire du sport, alors je vous propose d'enchaîner sur cette séance qui complétera très très bien celle-ci. Sinon, je vous propose de continuer avec une séance d'étirement qui vous fera beaucoup de bien, ce sera un très bon retour au calme. Continuez à m'écrire, abonnez-vous, partagez un maximum tout autour de vous et je vous remercie une nouvelle fois d'être venu faire votre sport avec moi. On est nombreuses et c'est vraiment génial, merci à vous. Prenez soin de vous et surtout restez belles et rebelles, je vous dis à très très vite, bye bye.